Séance fessier, donc toujours numéro 2, donc la deuxième semaine sur le bas du corps. Il va y avoir en fait tout simplement des variantes de tous les exercices précédents. Le squat, il était donc la première séance en demi. Là, il va venir faire un squat, sera complet. Un squat à 90, voilà, squat basique, elle a le regard fixe, d'accord, dos plat. On voit bien le dos creux au niveau des fessiers. Et un angle parfait. Surtout, je fais attention à ne pas dépasser les pointes de pied avec mes genoux. Okay, elle monte, elle descend. Elle monte, elle descend. Parfait. Le deuxième exercice, donc deux fentes. C'est le même que la semaine dernière, sauf qu'elle a des poids en plus dans les mains. Si vous n'avez pas de poids, bouteille d'eau, comme on l'a vu durant toute la période de confinement. Elle monte, elle descend. Elle monte, elle descend. Voilà. En souplesse, j'alterne si je veux les jambes. Je peux revenir en position initiale. Où je peux rester comme elle était tout à l'heure dans le même acte de travail. Parfait. Le troisième exercice, on était sur les mollets. Sur les mollets au sol, cette fois-ci, vous allez prendre une marche d'un escalier, un step, ce que vous avez. Elle monte dessus, elle va avoir le pied légèrement en arrière. Donc un pied dans le vide, l'autre, elle le relâche. Je peux mettre les deux pieds ou alors j'en mets qu'un seul. Elle monte, elle descend, d'accord ? Elle descend bien, bien, bien bas. Du coup, le talon peut aller chercher plus en bas. Et je remonte complètement. Voilà, avec la marche, c'est plus compliqué. Sur le dessin, il y a une seule jambe. Donc là, si on n'est pas trop à l'aise, on fait avec les deux. Si je suis à l'aise, je fais avec une seule jambe. Donc, un pied dans le vide. Voilà, et je monte et je descends. Jambe tendue toujours. Parfait. Très bien. Pareil, elle peut avoir le mur en face. Vous pouvez avoir le mur en face. Il n'y a aucun problème là-dessus. Parfait. Ensuite, l'autre exercice, donc on est sur les ischios, vous étiez avec la chaise ou le step, cette fois-ci vous faudrez une bande de résistance, soit un élastique, donc elle va s'allonger à plat ventre, elle a l'élastique, dans un pied, l'autre dans l'autre pied, elle tend une jambe, l'autre fléchit et elle tire. On vient mettre la tension sur l'élastique, elle ramène le talon vers la fesse. Et là, on travaille comme tout à l'heure, donc l'ischio-jambier. En souplesse, voilà. Le tout, c'est d'avoir le bassin bien fixe, bien posé au sol. J'expire en contractant le périnée, en serrant les fesses. Parfait. Donc ça, c'est le quatrième exercice donc de la semaine 2. Le cinquième exercice. Allez, à genoux sur les coudes. Alors, pourquoi sur les coudes? En fonction de votre taille, au moins, le dos sera à plat. Elle peut venir se mettre sur les bras tendus. Vas-y. Là aussi, on voit que le dos est à plat. Ce que je ne veux pas, c'est avoir de creux dans le dos. Okay? Donc là, elle va lever une jambe à 90 degrés. Voilà. Elle la tend et elle ramène. Elle tend et elle ramène. Parfait. Là, on voit la contraction sur le grand fessier. Elle tend. Je n'ai pas de désaxement du bassin. Le bassin, elle vient dans l'axe. J'expire sur la poussée. D'accord? Jambe droite, jambe gauche. Tout ce qui est descriptif de séance, vous allez le trouver dans la feuille de séance. Les temps pratiques, les répétitions. D'accord ? Voilà pour la deuxième semaine, on passe à la troisième.